Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. Dans la précédente vidéo, nous avons fait deux quêtes annexes sur Hanok et on va tout de suite continuer pour la quête principale de Hanok cette fois-ci. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi oui. Et on va tout de suite détruire la base des moissonneurs. Voilà. Donc on prend Tali avec ce costume-là et on prend un petit Garus aussi. Donc oui, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi oui. Et on s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Même si on a encore quelques heures devant nous, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Besoin de ligne de mire pour laser. Quelle est la trajectoire la plus courte? L'entrée supérieure. Tirez sur la base avant que les guettes n'organisent leur résistance. Et vous alors? Nous désactiverons les systèmes de défense et prendrons un véhicule d'évacuation. Vous pouvez faire ça? Cette unité a gardé des traces du code d'amélioration de l'ancienne machine. Aucune sécurité guette ne peut nous arrêter. Vous semblez inquiète. Vous connaissez vos limites, j'ai confiance. Et pourquoi vous m'avez pas parlé de ces améliorations? Vous avez toléré notre récupération de données guette depuis le serveur, mais là c'est différent. C'est personnel. Vous aviez honte? La honte est une réponse émotionnelle ou cognitive au jugement sociétal. Ici elle n'a pas lieu d'être. Je suis de votre côté, Légion. Je ne demande qu'à aider votre peuple. Nous ne voulions offenser personne. Comment sommes-nous arrivés là? Les guettes valent mieux que ça. Non. Des preuves empiriques attestent que non. Ouais. Avancez vers l'entrée supérieure. Nous sortirons d'ici avec un véhicule. C'est bon. Légion, bonne chance. Bien compris. Je n'arrive pas à y croire. Je ne réalise tout. Vous avez vu ce ciel et ces formations rocheuses? Nos poètes chantaient leurs louanges autrefois. Un jour peut-être, vous les chanterez vous-même. Ceci est Hanok. Vous m'avez sans doute entendu dire Kila Selai, la traduction qui s'en va. Et aujourd'hui, vous la voyez. Et la fenêtre du salon sera ici. J'ai raté quelque chose? Je viens de prendre possession de ma terre. Les Cariens vivent en nomades depuis des siècles. Vous n'avez pas peur? C'est vrai, les Cariens emportent toujours leur foyer. Voilà. C'est mieux que rien. Ah, c'est ta terre. Où tu t'assois. Et c'est parti. Bien joué, Trenor. Le glitch. Tiens, 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 la porte fermée. De l'escalade.
On avance, on avance. Ouais, c'est vrai, je voulais changer d'armure, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. On va voir que tous les modes de niveau 5, si ça continue. Alors, des gantelets. En fait, non, c'est la base des guettes, c'est pas la base des moissonneurs. Pourquoi j'ai dit moissonneurs, moi, tout à l'heure? J'avais cru entendre une base des moissonneurs pendant l'un des dialogues. My bad. Tu veux qu'on rentre aussi? Ah oui, d'accord. Ah. Bizarrement, ça s'ouvre tout seul maintenant. Administrateur Shepard, les guettes ont activé un bouclier pour protéger la base. Il faudrait des heures pour détruire ce bouclier. Nous n'avons pas le temps. Voilà. Coup d'ennemi, dites-moi. Tiens, je me rappelle de cette zone. Je crois que c'était la zone de la démo, si je ne m'abuse. Attention! Tir croisé sur le balcon de gauche! Bon, ça fait des années que la démo est sortie, mais. Si je me rappelle bien, c'est la scène de la démo. Les mises à jour des anciennes machines ont augmenté la précision de nos tirs. Nous attirons le feu ennemi. Amiral Guerrel à tous les vaisseaux. Les frégates Guettes se dirigent vers la flotte civile. Ici Coris. Les défenseurs civils les interceptent. On s'en occupe, Guerrel. Légion, j'ai trouvé le contournement. Nous avons accès au système. Nous contrôlons les sécurités. Veuillez patienter. Juste survivre, ok. Nous avons contourné la sécurité, mais désactiver les boucliers nécessite une intervention manuelle. Nous avons ouvert un terminal près de vous. Administrateur Shepard, vous avez réussi à ouvrir une porte de sécurité. Bien, on sera dehors dans une minute. Ok. Ascenseur, où ça? Ah, là-bas, d'accord. On prend le javelot. Change d'arme. Non, pas le pompe. Alraan à tous les bâtiments. Les patrouilleurs ont dispersé le flanc des guettes. Permission de la suivre pour les déranger. D'accord. Bonne chance, Val. Ouais.
Là, par exemple, ça c'est une arme du multi. La Dragon Gate. Administrateur Shepard, nous ne détectons plus de Gate dans la zone. Les renforts seront là dans quelques minutes. Vous avez des nouvelles de la base ? Non. Les anciennes machines ne nous ont pas enregistrées comme une menace. Mieux vaut se dépêcher. La flotte carrienne ne tiendra pas longtemps si vous ne coupez pas vite le contact entre les Gate et les anciennes machines. Ce combat dure depuis des siècles. Et dire qu'on assiste à sa fin. On s'en occupe. Les systèmes d'armement du Normandie sont parés à la synchronisation. Je vous conseille de conserver une distance de sécurité. Cible verrouillée. Et boum. Un moissonneur. Moyen de transport repéré. Bien reçu. Tout le monde dans le vaisseau. Vite. Merde, c'est énorme. Vite. Comment peut-on combattre ce monstre? J'espérais que votre flotte pourrait nous donner un coup de main. Go. Allez-y, feu à volonté. Déjà ? On l'a touché quoi ? La chambre de combustion. Elle est vulnérable quand il tire. Nous pourrions fuir pendant qu'il récupère. Non, on y va. Administrateur Shepard. Si on s'enfuit, les Gate seront esclaves des moissonneurs. Ce sera la fin des Cariens. On se le fait. Idea, connectez les Cariens au système d'armement du Normandie. Je veux que le laser soit synchro avec toute la flotte. Compris. Besoin d'aide ? Non merci, Légion. Administrateur Shepard. Bien compris. Ici Shepard, je vais viser son point faible. Restez branché au Normandie et parez à tirer. Le destroyer est à portée. Missile paré au lancement. Shepard, il nous faut une cible. Ok. Merde, what the hell? Alors, comment faire? Allez, crève.
Ouais, il se rapproche de plus en plus, l'enflure. Allez. Est-ce que c'est bon? Vous savez qui je suis ? N'oubliez pas. Vous résistez, mais vous échouerez. Le cycle doit continuer. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire ? Nous avons arrêté Sovereign et les guettes, puis l'augure et les récolteurs. J'ai bien mérité une réponse. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous pourrions vous surprendre. Nous représentons l'ordre. Chaque civilisation organique doit être maçonnée pour amener l'ordre dans le chaos. C'est inévitable. Sans notre intervention, les organiques sont condamnés. Nous sommes vos sauveurs. Vous tuez toute la galaxie pour nous sauver ? Doit continuer. Il n'y a pas d'alternative. Rien n'oblige les organiques et les synthétiques à s'entretuer. La bataille de Rannoch vous prouve le contraire. Terminez votre guerre. Nous attendons. On a réussi. On a tué un moissonneur. Qui l'a ? Nous confirmons que les Geths ne sont plus sous l'emprise des anciennes machines. Nous sommes libres. Vous avez réussi, Shepard. La flotte Geth a cessé le feu. Administrateur Shepard, les Geths n'ont fait que se défendre contre les créateurs. Où voulez-vous en venir ? Nos améliorations. Une fois l'ancienne machine morte, nous pourrions... Vous voulez leur appliquer le code des moissonneurs ? Oui, mais avec leur libre arbitre. Chaque unité Geths... Notre peuple est déjà au combat. Télécharger le code nous anéantirait, Shepard. Vous rappelez-vous la question qui a poussé les créateurs à nous attaquer ? Ces unités ont-elles une âme ? Téléchargez le code sur les guettes. Transfert. 10%. Ici, l'amiral... Ignorez cet ordre ! 20%. S'il vous plaît, je vous en... Nous regrettons de devoir tuer les créateurs, mais... Non. Il y a eu assez de morts aujourd'hui. Légion, continuez. Shepard ? Appel à tous. Ici le commandant Shepard. Le moissonneur est mort. Cessez le feu. Ici l'amiral Talizora. Je suis ici pour valider l'ordre de Shepard. Moi de même. Négatif. Nous pouvons gagner. Maintenez le feu. 60%. Les Geths vont retrouver leur pleine puissance. Si vous continuez d'attaquer, ils vous écraseront. Votre histoire repose sur votre volonté de tuer les Geths.
Vous les avez forcés à se rebeller, puis à s'allier avec les moissonneurs. 80%. Les Geths ne veulent pas de ce combat. Si vous l'acceptiez, ne serait-ce qu'un instant, cette guerre serait terminée. Vous avez le choix. Pitié. Killa Selai. À toutes les unités, cessez le feu. Erreur. Copier le code ne suffit pas. Diffusion directe de personnalité requise. Administrateur Shepard, je dois y aller. Pardon. Pardonnez-moi. C'est le seul moyen. Légion, la réponse à votre question était... oui. Je sais, Tali. Mais merci. Killa Selai. Commandant. Amiral Rahan, on m'a dit que... J'écoutais la radio. Il l'est. Nous avons essuyé de lourdes pertes. Vous êtes libre de regagner Hanok, Amiral Rahan, avec nous. Légion ? Non, désolé, commandant. Légion. Bien. Et nous tiendrons sa promesse. La flotte Geth vous aidera à... Les nôtres aussi, bien sûr. Amiral, avez-vous réfléchi à d'éventuelles terres d'accueil? Nous... Le continent. Vous croyez que ça va aller? Je crois que oui, commandant. Vous cherchez une autre maison? Oui, en bord de mer. Décidez-vous vite, il y a beaucoup de demandes. Oh. Ça va? Je sais que travailler avec les Geths sera difficile. Je ne reste pas. Je viens avec vous. Je ne voulais pas vous le demander. Je crois que la flotte vous doit bien un petit service. Je veux qu'ils attaquent les moissonneurs. Si les moissonneurs restaient sur Terre, pourquoi pas? On vient de tuer l'un d'entre eux. Donc je viens avec vous. Vous êtes sûr de vous? Ouais. Je regarde tout ça... Mon équipe sur Aestrom, mon père, même les... Ça n'a rien de surprenant. C'est quand même magnifique. Ouais. Il nous faudra des années avant de pouvoir vivre sans nos combats. Pour l'instant, j'ai ça. Nice. RIP Légion. Commandant Shepard, il paraît que vous introduisez un nouveau camp dans cette guerre? Oui, conseiller. Deux, en fait. J'ai lu les rapports. Vous les avez convaincus de cesser les hostilités. Je n'étais pas seule. Il reste des poches de guettes isolées. On dirait des plateformes. Mais c'est un problème mineur. Commandant, il faut le dire, vous nous avez donné la... J'ai des informations essentielles à l'effort de guerre. Vous voulez que je vienne à la cité? De préférence, commandant. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Ok. Quelque chose vous dit. Encore, toujours rien. Elle est saine et sauve et promue au rang de... Merci, amiral. Je me suis dit qu'avoir deux Shepard ne pouvait pas faire de mal. Hackett terminé. Ah oui, donc l'autre Shepard que vous n'avez pas vu, qui se trouvait donc dans le DLC... Comment appelle-t-on ça? Le DLC Citadel, hein, qui m'a pris un petit peu de temps quand même à faire 3 heures pour faire en complet. Désolé, j'ai un petit peu la toux. La toux, ouais, la toux de pique, la toux de cœur, non, tout ça, non. Belote, non, peut-être. Ok. On vient de prouver à la galaxie toute entière qu'on peut les battre. Il paraît que vous étiez au sol. Il y a des messages non lus sur votre terminal privé, commandant. Alors, voyons voir ce qu'il y a comme nom. Joker nous a fait quelques manœuvres plutôt impressionnantes pour éviter les tirs ennemis. Pas facile de participer à un combat comme ça, surtout quand on ne pilote pas. Mais Joker est l'un des meilleurs. Au début, j'avais la nausée, à brinque-ballée dans mon harnais. Puis j'ai senti monter la colère. Je voulais que cette chose meure.
Ce n'était pas le cas quand les moissonneurs ont attaqué la Terre. Je voulais leur défaite, et que la Terre soit sauve. Mais je ne souhaitais pas viscéralement les découper en deux pour les voir exploser. Félicitations, Trénor. Vous venez de faire connaissance avec l'instinct combattre ou fuir. Ok, donc faisons un petit tour de l'équipage avant d'arrêter cette vidéo pour la prochaine qui sera donc d'aller à la citadelle. Bravo, commandant. Je ne pensais pas qu'on pouvait... Quand j'ai compris la réalité de la rébellion Guette... Merci, commandant. Bien peu d'en... Et maintenant, on a deux flottes pour le prix d'une. Sauf Légion. Juste avant de se sacrifier, Légion a parlé de lui en disant « je » au lieu de « nous ». Hein ? Et alors ? L'utilisation du pronom singulier, Légion n'était plus un avatar du consensus Guette. C'était une personne. C'est bien ce que je pensais. Quand la flotte Guette nous aidera à reprendre la Terre... Oui, Légion. T'as l'air songeuse, Idéa. Je réfléchissais. Légion. Pauvre Légion. Ok, donc on refait le tour un peu du vaisseau. Hein. On va voir s'il y a besoin, s'il y a d'autres choses dans le quartier, par exemple. Hein. Alors, ça, d'accord. Invitons Alors. Trénor, faites monter Diana. Elle va vouloir me parler. Elle arrive, commandant. Vous devez avoir des... Je n'en ai retenu que 40. Voyons comment vous... Commandant, la dernière fois qu'on a entendu parler des Guettes, ils attaquaient la citadelle aux côtés de Sovereign. Oui, mais sachez qu'il s'agissait d'une minorité Guette. La plupart n'a rien contre les organiques. C'est comme ça que vous expliquez qu'ils sont nos alliés et non des robots dangereux qui empalent les humains ? Il est important de noter que malgré leur réputation, les Guettes ne sont pas fondamentalement violents. Les Cariens les ont attaqués, et ils se sont défendus comme toute espèce organique l'aurait fait. Maintenant qu'on a libéré les Guettes des Moissonneurs, ils vont vouloir se venger. Mais vous envoyez une armée de synthétiques combattre les Moissonneurs, qui disposent d'une capacité de piratage exceptionnelle. Qu'est-ce qui les empêche de reprogrammer les Guettes comme dans le passé ? Les Guettes sont extrêmement intelligents, et ils ont... Ça n'arrivera pas. À présent, une question d'un butarien d'Oméga. Commandant Shepard, si les rôles... Bon, j'ai manqué quelque chose. Vous allez envoyer votre histoire, maman ? Bon, si vous permettez. Allez dire à la galaxie ce qu'on a fait. À vos ordres, commandant. Ok. Donc je pars inviter Lyara, ça ne sert à rien, on sait exactement pourquoi elle est là. Mais on fait un peu le tour des autres étages. Il était temps que tu te détendes un peu. Je ne vois pas comment boire du mescal jusqu'à pas d'heure fait de moi un meilleur soldat. Comment ? Ça te réchauffe. Remettre le réacteur turien en route avait l'air d'être une véritable épreuve. J'ai fait bien pis. En tout cas, c'est une bonne chose que l'équipe du capitaine Riley vous ait aidé. Joue. Traitement pour les brûlures chimiques. Ça fait qu'il me reste plus qu'une seule quête sur comment appelle-t-on cela ? Sur la citadelle. J'ai du mal à croire que vous ayez réconcilié Guette et Carien. Vous méritez une médaille pour ça. On n'a plus qu'à enrôler les Asari. Ensuite, on pourra se concentrer sur les moissonneurs. C'est ça, il reste mais plus que les Asari. Ensuite, on aura rassemblé toutes les races. D'ailleurs, ça me fait penser, mais c'est comme les Tease et les Moissonneurs, il y a le cycle de doigt de continuer. Mais nous sommes à quel cycle exactement ? Car si ça moissonne une race entière, une espèce entière, à chaque cycle, vous prouvez que les humains sont des soldats compétents. Combien de races ont disparu déjà ? Et à quoi ressemblaient ces races ? Je ne sais pas si on va avoir des infos sur ça dans les autres jeux. Ou s'il y a déjà eu des infos dans des comics Mass Effect, par exemple, ou quoi que ce soit. Ce serait bien d'avoir ce genre d'informations, des races exclusives, ou tout ça. Peut-être une nouvelle race dans le suivant, dans Mass Effect Andromeda. Je sais qu'il y aura d'autres races, car c'est pas la même galaxie. D'ailleurs, le nom Andromeda fait référence à la galaxie Andromède, qui est à côté de notre galaxie, la Voie Lactée, dans la vraie vie également. Pourtant, ça doit être vrai. Salut Tali. Comment ça va ? Oh, désolé. J'ai reçu un message. Avant, j'expédie. Je devrais en faire autant avec les échanges. Comment va votre peuple ? C'est dingue.
Les guettes se chargent même dans les combinaisons. Ils simulent des... Ok, on passe ça vite fait. J'ai du mal à croire que les miens travaillent. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Du coup, on va arrêter cette vidéo là. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire la quête principale qui est sur la citadelle. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Toastel, prochaine HD. Passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.